hacer el mismo. Elle est partie pour une cour de cuisse, abdos, fessiers. C'est bon, tout le monde m'entend? J'espère. Ouais. Yes. Allez, on y va, petit step touch. Tout simple. On s'échauffe un petit peu. Pour une cour de cuisse, abdos, fessiers. Je ne vois pas les connecter, là, c'est mal. Allez, on rajoute les bras. Vous pouvez chanter hein, chez vous si vous voulez. Hein, il pleut déjà, on ne dira pas que c'est vous. Hein. Moi, j'ai chanté toute la journée. Allez, talons fesses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, encore. On ne change rien. Ah si, on va changer. À la place des talons. On fait genoux avec les bras là-haut. Voilà. Monte bien les genoux. Toujours en gainant. Les abdos bien serrés. 4, 3, 2. On prend talons flex avec les bras derrière. Il y en a 8. Encore 4, 3, 2. Et genoux. Même chose, 8, 7, 6, 5. Encore 4. On reprend les talons pour 4, 3, 2, et genoux pour 4 aussi. Talons fesses, ouh, et genoux, 4 fois, yes, allez, petit play-by, ouh, ah. Tout doucement, hein. Tranquillement, avec un talon fesses au bout, toujours là, hein. Ouais. On change ce grapevine pour un chassé avec les bras. Super. Oh, vous êtes bien. Je vous vois bien. Dernier aller-retour. Et step out. On reste là. On relâche les bras. On reste gainé. Toujours le pied pointe au sol sans resserrer. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, les bras devant, voilà, toujours en step up, toujours bien gainé, 4, 3, 2, continue, continue, mais un peu plus loin, on tourne, très loin, on laisse partir le talon légèrement, et on tombe bien les hanches, les épaules, les abdos sont bien serrés, encore 4, 3, 2, les bras en haut, arrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 4, 3, on fixe les petites jambes au sol, les bras ici, voilà, serre bien, rentre bien le ventre, on reste bien gainé, on va tout doucement, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Inspire, tire, et on lâche tout en bas. Les genoux légèrement fléchis, dos on redresse. On inspire, on étire, et on lâche en dessous. On redresse tout de suite, dos rond, et petite flexion. Tout doucement, et on monte. Les talons sont de la largeur des épaules à peu près. On descend tout doucement, dos plat, fesses vers l'arrière. Ah, on va pouvoir accélérer un peu. Hein? Et on monte. On descend, on inspire. On remonte, on souffle. Encore deux comme ça. Et on monte, souffle. Dernière. On accélère le mouvement. Aïe. Et on monte. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Attention, le dos est plat. Fesse vers l'arrière. La tête est droite. Toujours les pieds à plat, encore 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, tout petit en bas, tout petit mouvement, on reste en bas, on est bien là en bas, 4, 3, 2, on reste, on s'assoit sur la chaise, j'avais dit d'apprendre la chaise, vous ne l'avez pas pris?
comme un pub. On remonte et on prend l'IRL. 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, la dernière. Et voilà, petit kick devant. Yes, on est bien là. On commence à être bien. On reprend le step touch. Voilà. Voilà. On transforme le step touch comme du colère en step arm. Élévation maintenant toute petite là, sans descendre les pieds. Le pied très haut, on tient bien l'équilibre. Allez, main sur les hanches. Les abdos sont bien serrés. Encore 4, 3, de l'autre côté. Voilà, bien haut le pied, sans redescendre. On garde les abdos bien gainés. La pointe de pied toujours vers le bas. Hein. Oula, il y a un peu de vent, hein. De côté. 1, 2, 3, 4. On regarde ce rythme-là. Toujours un bloc complet. Encore lui, ouais. Allez, on tient bon, on tient bon. Et ralentis, même jambe, monte. Et on descend en bas. 2, complètement en bas. 3, et 4, 5. Attention, la pointe de pied pas ici, hein. Pas sur les plafonds là, plutôt vers le plancher, dernier bloc, 2, la jambe appuie, légèrement fléchie, ouais, reste bien aimé, hein. Encore 4, ouais. Et 3, et 2, on va faire la même chose, de l'autre côté, tout petit mouvement là-haut, allez, bien haut sans redescendre, bien aimé toujours ici, la jambe d'appui fléchie, 8, 7, 6, 5, 4, 3, les grandes amplitudes. Allez, on y va. Monte et descend. 2 et descend. 3. Alors, il y a deux blocs hein, comme ça. On monte, on souffle, on descend, on inspire. On garde toujours la jambe d'appui fléchie. Allez, le deuxième bloc. 8 reps encore. 7, 6, 5. Encore 4. 3. Deux. Yes! Allez, alternez sur les step-ups, on relâche les bras. Voilà. Super. On va dégager le pied vers l'arrière, plus doucement, petit à petit, en penchant le buste vers l'avant. Ouais, bien vers l'avant. Voilà. On patine, on patine. Bien gainé, hein, les abdos. On ne prend pas appui sur le pied derrière. La pointe à ras le sol. 4, 3, 2, tout doucement on descend, tout doucement et on monte, encore, doucement on descend, on inspire et on monte, souffle, et 3, plie le genou devant et on monte, et 4, et on monte, encore, encore, 4 fois, et on souffle, et 3, et on monte, souffle, et 2, on monte, on prend parti sur le pied derrière. Hein. La même chose de l'autre côté. Allez, descend doucement. Deux blocs. Deux. Voilà, on travaille un petit peu la proprioception, l'équilibre. Ah oui, c'est bien ça. Toujours je vais plier devant. En descendant de plus en plus plié. Hein. Allez, quatre dernières rêves. On remonte en dessous. Descend, inspire. Et on remonte en dessous. Et trois. Et on monte. Et 4. On change de jambe. Même technique. On peut plus vite. 1. 2. 3. 4. Et plus je penche le buste en avant, plus je reste gainé. Et plus je plie le genou d'appui. Deuxième bloc. Et 1. 2. 3. 4. Encore 4. On est prêt à passer sur notre jambe? Oui! Allez, on y va! Et double musique! 2 minutes! Allez, on descend bien le buste, on gaine, on gaine, on gaine! Le genou fléchit, le genou appuie, sans prendre appui sur la jambe arrière!
Allez, le deuxième bloc. Et 1, 2, 3. Super, on garde le rythme. Il reste 4 reps. 3, 2, la dernière. Et step up là. On relâche les bras encore. Maintenant, 4, 3, et marchez, marchez, inspire, et tire, et on est souple, inspire, et tire, on fixe les pieds au sol, pieds joints, attention, on redescend les mains ici, on descend, petit squat, sans redescendre, inspire, et on monte souple, on essaie de garder les genoux joints. Voilà, le dos est plat. Si on veut, on met les mains devant. Voilà, sans trop descendre. Descends doucement et en dessous. Et 3. Et la dernière. On reste en bas. Un tout petit mouvement. Les mains sont vers l'avant. Tout petit. On fixe, on bouge plus. On descend, on descend. On monte. Et on relâche, petit pic. Yes, allez, on va voir un coup. En petite pause, en petite pause. Ça va? On continue, hein? On va utiliser la barre. La chaise, ça va venir. La barre à la maison, si on a. Sinon, un manche à balai. On a tous, hein. Avec un petit paletot, on peut approcher le paletot à chaque bout. On enfile le bâton, le manche à balai, sous le plastique, entre les bouteilles. Et quand vous soulevez, aucun problème, ça tient bien. Allez, on amène la barre sur les cervicales, enfin, pas sur les cervicales, sur les trapèzes. On évite de poser très haut de cette barre. On la pose bien sur les trapèzes ici. Hein. C'est bon? Ouais. Les jambes écartées. Et talons deux fois largeur épaule. C'est bon, on descend, on fait l'écart. Allez, et on inspire. Et on monte souffle. Et 2. Et on monte souffle. 3. On garde le corps droit, la tête droite. Inspire en descendant. Et souffle en montant. Encore 4. Et on monte. Et 3. Et on monte. Et 2. Yes, on est bien là. Allez, on va accélérer un petit peu. 8 reps. 1, 2, 3. Alors attention, on évite ça. Hein. On penche pas le buste en avant. On plie bien les genoux, mais on garde le corps droit. La tête droite toujours. Encore 8, 7, 6, 5. Encore 4. 3. Allez, on est bien là. On n'a pas fini, on n'a pas fini. On bloque en bas, un petit mouvement. Et 1, 2, 3, 4. Un bloc complet. Hein. On continue les petits mouvements. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et fixe en bas. On bouge plus. On est très très bas. On plie bien les genoux. Le corps est droit, la tête aussi. On respire bien, on respire bien. Allez, descend encore un peu. Encore un petit peu. On remonte. Et on reprend pour 8. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et c'est la dernière. On pousse là. Ouh. Et on pose. Attention le dos en posant. Hein. Ouais. Allez, on étire un petit peu l'avant des cuisses. Talons fesses. Voilà, on serre les abdos, le corps est droit, les genoux collés. Et on lâche le côté. On traverse bien le bassin, on serre bien les abdos. Oh super, on lâche. On prend la chaise, la chaise. La chaise, pas électrique. Non, non. Tout ça. Alors, je me mets dans quel sens? Comme ça.
On va faire un petit pistol squat. C'est pas compliqué, il suffit d'aller s'asseoir sur la chaise, sur une jambe. C'est bon, je tends une jambe devant, je vais poser les fesses et je redescends, les bras vers l'avant. Ouais, c'est bon. Ça permet de ne pas descendre trop bas. Hein. Ouais. Alors attention, pas le dos comme ça. Hein. Ah non, fesses vers l'arrière comme un squat. Le dos est pas, on n'a pas commencé, hein. C'était juste pour faire voir. Ouais. On est prêt avec la chaise? Yes. Allez, je me mets comme ça. Voilà, face à vous, ça sera bien. Pensez, le dos est plat. Hein. On est prêt? La chaise est en place. Allez, on va en 4, 3, 2, on y va. Allez, descend. Et on monte. Et 2. Et on monte. Et 3. Il n'y a pas beaucoup de séries. Hein. Il y en a 25, à peu près. 25 blocs. C'est bon? Encore, encore. C'est le deuxième bloc. Et on monte. Plus doucement. 2. Inspire en descente et souffle en montant. Et 3. Et remonte. La dernière. On change de jambe. Allez, on y va. De l'autre côté. Et on monte. Et 2. Et on monte. Yes. 3. On monte. Et 4. Dernière. 4 fois. Et on monte. 2. Et on monte. Et 3. Ah, elle est bien cette chaise. Hein. On bouge pas complètement, pas. Hein. Ah, et on lâche. On reprend. Ici. Toujours avec la chaise. On est assis carrément. Hein. Les talons à peu près de la largeur des genoux. Là, on aplombe les genoux. Comme tout à l'heure. Les bras devant. On monte. Et on redescend. Sans s'asseoir. 2. Dès que les cuisses touchent la chaise, on remonte. On pose pas. C'est comme tout à l'heure le squat d'écart. Monte, souffle, descend, inspire. Tout petit mouvement en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 4 blocs. Comme ça, à cette cadence. On ne change rien. On a toujours les bras ici, la tête est droite. Le dos est plat. Ah, et le premier bloc est passé. Le second. 2, 3, 4, 5. On va l'amoldir notre chaise. On va l'amoldir. Encore, encore, encore. On s'arrête pas. Il y a 4 blocs, hein, je l'ai dit. On entame le troisième. Aïe. 2, 3, 4, 5, 6. Continue cette cadence. On lâche rien. Allez, on lâche rien. C'est la fin du troisième bloc. Le dernier, le quatrième. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore, 8, 7. 6, 5, et 4, et 3, et 2, et on lâche, et tire, et on lâche tout. Voilà. On est mieux là, on est beaucoup mieux comme ça. Allez, toujours avec ma chaise, les mains sur le dossier. Je fais voir le mouvement, je vais un petit moment de pause pour voir un peu et pour regarder. Je vais lever ma jambe gauche ici. Le genou au-dessus du dossier pour tendre la jambe. C'est bon? J'ai toujours mon genou au-dessus du dossier. Hein. Ouais, c'est un side kick. Ouais, ça s'appelle un side kick pour le travail des fessiers. Attention, la jambe au sol, vous avez pu remarquer, la pointe de pied est à l'opposé de ma jambe ici. Ouais, c'est bon? Quand je fais de l'autre côté, ce sera la même chose. Toujours le genou très court. Ouais. La pointe de pied à l'opposé, la vers là-bas, le pied là-bas. Le side kick, c'est bon? Ça marche? On y va? Ah oui, parce qu'on n'avait pas commencé. Hein. Non, vous étiez en train de boire un peu. Allez, on place. On va lever la jambe gauche. Dans 4, 3, 2, on y va. Allez. 2, 2 petits blocs. 3, 4. On vient au genou. On vient bien haut. Allez, pousse bien la jambe tendue. Deuxième bloc. 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, la dernière, et ok. On souffle un peu et on passe de l'autre côté.
On place bien cette jambe d'appui au sol, hein. Les orteils à bas. Ok, la jambe gauche, on kick. On est maintenant 4. Droit, on est prêt. 1 et 2, 3, 4, 5. Bien, bien, le genou au-dessus du dossier. Ouais, encore, encore. Et 1, 2, 3, les 4 dernières rêves. Encore 4, 3, 2, et la dernière. Et voilà. Ok. Ouh, il est bien là. Voilà. Toujours la chaise. Les bras sont en appui sur l'assise. Les bras tendus. Hein. Ouais, la jambe derrière ton élève ici. Tendu ou presque. Le pied flex. On n'a pas commencé. Hein. Ça va venir, ça va venir. Doucement. On est prêt. On est maintenant 4. 3, 2, 1, on y va. On monte. Et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, on continue cette cadence, arrière, 2, 3, 4, ça va toujours? Oui, on t'en on descend, on inspire, on contrôle bien la descente de cette jambe, hein. Toujours les abdos serrés pour le dernier bloc. 7, 6, 5, encore 4 reps. Allez, on tient juste au bout. Des petites séries. C'est des petites séries. On enchaîne notre jambe. Allez, 2, 3 petits blocs aussi. On reste bien gainé. Le pied de la jambe qu'on élève. Bien flex. Hein. Allez, pour le deuxième bloc. Hein. 6, allez on garde ce rythme là, on respire bien, dernier bloc, allez on tient bon jusqu'au bout, encore 4, 3, 2, 0, et on lâche, ok, facile, regardez j'ai les pieds à plat par terre, je me tiens un peu à la chaise là. Elle est légère, donc je tiens bon sur mes jambes. Hein. Par contre, je vais monter les fesses jusqu'à la hauteur de l'assise ici, de la chaise, et je redescends. Ouais, juste ça. C'est bon? Ouais. Deux blocs plus longs et deux blocs plus rapides. Ça marche? Allez, 4, 3, 2, on essaie de garder les pieds en plat. Monte, tout doucement, et on descend. On descend très, 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 très bas. Et on descend. 3, on descend, et 4, et on descend, encore, encore, 4 fois, 3 fois, et on descend, 3, on descend, 2, on descend, on pousse bien sur les cuisses, et on accélère, 2 blocs, 1, 2, 3, on monte pas trop haut, 4, les fesses juste à hauteur de la chaise ici. Ouais, pas du dossier, hein? Non. De l'assise. Encore 8. Allez, on tient bon. 7. 6. 5. Encore 4. 3. 2. Et la dernière. On monte. Oh, petit kick de bon. Allez, on souffle un peu, on boit un coup. On pousse la chaise. Et on va passer au sol. Ça marche. Moi j'ai encore la barre là. Allez, je la pousse. Hein. Allez, on passe au sol. Maintenant, toujours pour les fessiers. On va être bien au sol. Hein. Ouais. On a fait une petite extension arrière tout à l'heure sur la chaise. Entendu. On va faire la même chose au sol, sur les coudes, sur les genoux, mais en jambes pliées. Je le fais voir, on n'a pas démarré. Hein. Ça sera ce mouvement-là. Ouais, c'est bon. Le pied reste flex.
je pousse le talon vers le plafond, tout simplement, en genou plié tout le temps. Toujours bien gainé. Ouais, ça marche. C'est le dernier bloc de récup. Hein. On se met en place, on démarre en 4. 3, on est prêt. 2, allez, on y va, Lumet. 1, 2, 3, 4, 5. On garde celui-ci là, sur deux blocs. Allez, encore. Deuxième bloc. On pousse le talon très haut vers le plafond en soufflant. Voilà. Yes. Voilà, reste là haut tout petit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fixe, on bouge plus. On est là-haut très haut, on bouge pas. Très haut, très haut. On redescend le genou, on ramène le sol et on prend pour 8. 7. 6, 5, alors encore 4, 3, 2, c'est la dernière rêve, de l'autre côté, et 2, on va changer les jambes, toujours même rythme, 2 blocs, allez on tient, très haut, très haut, le talon, encore en 8, 7, 6, 5, 4, c'est bon? Ça tient bon? Ah oui, ça tient bon. Attention les petits en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fixe, on ne bouge plus. 1, 2, 3, c'est vrai. Si vous bougez, on reprend. Enfin, attention, on reprend. Le genou va. Et on propouille. Allez, 7, c'est les dernières. 6, 5. Encore 4, 3, 2, c'est la dernière rêve, et on lâche tout, on est à 6 sur les talons. C'est bon? On passe carrément au sol. Allongé sur le côté. Ah, enfin! Voilà! On est bien là? Ouais, on est pas mal, on va dire. On a les genoux groupés, on n'a pas commencé encore. Je vais juste voir l'exercice. La main est posée là-dedans pour fixer les épaules. Et quand je vais lever ma jambe ici, le bassin est fixe. On ne tire pas vers l'arrière, on ne tourne pas comme ça. On fixe les épaules et les hanches. Ouais. Et c'est là qu'il fallait démarrer. Vous êtes prêts? Oui. Allez. On se concentre, hein. La jambe qu'on élève est bien perpendiculaire en plus à peu près. Hein. On y va, point de pied vers le bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 3 petits blocs à faire comme ça. Même rythme, toujours la même cadence. En fixant bien les épaules, le bassin. On ne tourne pas vers l'arrière, hein. Pas ça. Ah, on fixe bien. On est dans le deuxième bloc là. On tient bon. Il y en a un troisième. Allez. Et hop. 2. 3. 4. 5. 6. On est bien. On est bien. Il y a les blocs bonus. Hein. On reste là au petit. 2. 3. 4. Ça redescend. On reste en haut. Ouais. Et on fixe. On ne bouge plus. Allez, ça tremble, là, ça tremble. On tient bon, on tient bon. On va descendre le pied. Et on reprend pour 8, grand vrai. 7, allez. 6, 5, encore 4, 3, 2, et la dernière rêve. Ouais, on lâche tout. Bien. Applaudissez-vous, applaudissez. Non, pas comme ça. On s'applaudit comme ça. Voilà. Allez, on passe sur l'autre jambe, de l'autre côté. On a deux petits blocs de récup, hein. Ça c'est le deuxième. On se met en place. On a le temps pour se placer. On pense à bien fixer les épaules vers l'avant, avec le bras ici, pour le sol. La jambe, les genoux bien groupés. On y va? Allez, on y va.
trois petits blocs. C'est deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, toujours sans basculer, hein, pas là. Hein. On va pas vers l'arrière. On fixe les épaules, bien avant qu'on tourne au sol. La hanche bien bloquée ici. C'est juste une élévation de la jambe. Hein. Ouais, encore, encore, encore. C'est le troisième bloc. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Allez, on reste là, mon petit mouvement. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et bloc tout. On bouge, on bouge plus. On est bien haut. Bien, bien haut. On va descendre doucement et on reprend pour 8. Allez, 7 et 6, 5, 4, 3, et une dernière. Et on lâche tout. Ok. Un peu du droit. Ouais. Ah. Allez, je vais voir un peu. Hein. Ouais. Je parle beaucoup trop. Hein. À partir de maintenant, je parle plus vite. Ça va? Allez, on reste au sol pour les abdos. Ouais, on reste là. C'est bon, petit combiné. Trois exercices. Le premier, les pieds à plat. Voilà. Je ne trace pas le micro. Voilà. Les pieds sont à plat, large à l'épaule, main à la tête, on remonte. Et hop, et c'est parti, c'est parti. Trois. Toujours le regard fixé vers le plafond. On va coller dans ton poitrine. On rentre bien le ventre au maximum. Ouais, encore. Hop. Deux. Alors on a le truc qui est bien serré. Hein. C'est le PVD. Ah ouais, c'est vraiment bien le PVD. Alors on se retient. On serre bien ce PVD. Troisième bloc. Et 1, 2, 3, 4, encore 4, 3, 2, les jambes relevées, 1 et 1, les pieds sont joints, on monte au maximum, les bras tendus vers l'avant si tu veux, hein. Ou alors les mains à la tête, yes, encore, encore. Deuxième bloc, deux, trois, on souffle, on descend, on inspire, on serre tout, le ventre, le périnée, allez encore, deux, trois, quatre, regarde cette cadence, pour quatre reps, trois, deux, les pieds en haut, les mains au sol, on enroule les pieds, on pousse au maximum. On peut garder la tête levée, décoller du sol, ou poser, hein, comme vous voulez. On descend, on prend les jambes à ras de sol, on pousse les pieds au plafond maximum. Au maximum. Allez, toujours, toujours. Le troisième bloc. Et 3, 4, 5, 6. Allez, les deux dernières reps. Et on lâche les pieds arrière, inspire. Un petit travail d'oblique hein, maintenant. Ouais. Trois exercices aussi. Hein. Le premier, les pieds sont à plat, à nouveau, au sol. Talons larges à l'épaule. Je l'ai fait juste voir les exercices. Hein. On n'a pas démarré. On va tout simplement toucher les chevilles alternativement. Ouais. Le deuxième exercice, ça sera ici, pieds croisés. On alterne, coude sur genou posé. Ouais. Et le dernier, ça sera les jambes tendues là-haut. On pousse les mains vers le plafond. Sur les pieds, au maximum. C'est bon? Ouais. C'est vrai? On est prêts?
3 exercices, 3 blocs de chaque. On démarre en 4, 3, repliez pied à plat, on y va, chez lui. 2, 3, 4, 5. Allez, toujours les abdos bien serrés. On monte bien, on dégage sur le côté, on monte maximum. Aïe, aïe, on tient bon. C'est le deuxième bloc, c'est le meilleur. Enfin, non, le meilleur, c'est le troisième, c'est celui qui vient. Aïe, 2, 3, 4, 4 sur les bras. On respire, on respire. Ferry est toujours serré. Les abdominaux en fait. Allez, on enchaîne. Le deuxième exercice. 2, 3, 4. Allez, on fait les poids pour négliger le genou avec le coude. Encore, encore. Deuxième bloc. On garde sur les poids, on respire bien. Allez, on tient, on tient, on tient. Le dernier bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on continue, on continue. Il nous reste un exercice. Les jambes tendues. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore, encore. On garde ce rythme-là sur 3 blocs. On tient bon. On enchaîne le deuxième bloc. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Encore, encore, on lâche pas. On lâche rien. Le dernier bloc. Allez, 2, 3, 4. Continue, continue, respire bien. Il reste 8 reps. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on lâche. Étire derrière. Inspire. Ça va? Toujours? Ouais. On peut passer à plat ventre. Hein. Ouais. Ah, un petit peu de gainage. Sur les coudes. Sur les pointes de pied, jambes tendues. Ou bien sur les genoux. On peut gagner comme ça, c'est plus facile. Ouais, on peut commencer comme ça et finir comme ça si on veut. Et puis repasser comme ça. Ouais, si on veut. Mais on n'a pas commencé encore. On n'a pas commencé. On est prêt? On démarre en 4, 3, 2, allez là. Une petite demi-heure comme ça. Voilà, à peu près. Les abdos bien serrés. Pas de dos creux, attention. Maintien, deuxième bloc. Voilà, tiens bon encore. On tient toujours le 8, 7, 6, 5, 4, 3, on passe sur le côté. Allez, tour. Un pied sur l'autre. Le bras tendu haut. On est bien serré ici, hein. Ouais. Ça marche. Voilà. Reste sur ce côté. On amène la main ici. Et on monte bassin. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Et deux dernières rêves. Et repasse à plat ventre. Enfin, en gainage. Hein. Sur les coudes toujours. Sans bouger. Un petit bloc de face. 4, 3, 2, l'autre côté. Allez, on tourne. Oh, je tourne le dos. C'est quoi ce truc? Ah non, là, plus. Ah ouais. Ah, je me retrouve. Ah. Bras tendu là-haut. On relâche rien. Main ici sur la hanche et mon bassin. 2, 3, 4. 5, 6, 7, et reviens de face. Voilà. On lâche pas, on lâche pas. On conserve toujours sa bonne courbure, lombaire, en serrant bien les abdos. Et on pose les genoux. On étire.
on étire un peu le dos derrière. On va devant. On rase la tête au sol, on pose la poitrine, le bassin. Et on pousse en soufflant. Voilà, le regard au plafond. Tout doucement. Sans pousser trop, hein, si vous avez un peu mal au dos. On descend, on tend grandement. Allez, on change les musiques. Are you ready? Oui, oui. On est prêt, on est prêt. Ah, ça veut pas. Chez vous, chez vous. On regarde derrière, on est à genoux. Bien assis sur les talons, on étire un peu le dos encore. On revient devant. Les bras sont tendus. On descend le bassin au sol en soufflant, le regard au plafond. On peut plier un peu les coudes hein, si vraiment on a un peu mal au dos. On repose la poitrine. À genoux. On va s'asseoir un peu vers l'arrière en soufflant. Sur les mains devant, les pieds sont joints, on appuie derrière, on tend les jambes, sans bouger les mains, on ramène la tête entre les bras. Alors, pour recoller les talons au sol, on peut ramener un peu les mains. Voilà, on garde les mains assez loin, les jambes sont bien tendues, les talons au sol, ça va? Ouh, je vous vois. Ouais. Allez, ramène les mains près des pieds, voilà. Les jambes restent tendues toujours. C'est bon, les mains sont à plat. C'est vrai? Elles sont à plat, les mains? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas mal. Je les ai vues. Les mains à plat, hein, les jambes tendues. Ah. Mains sur le genou fléchi. On remonte au rond. On inspire là-haut. On étire. Et on lâche les bras. Sur une jambe, on étire un peu l'avant de la cuisse, on serre les abdos, on retraverse le bassin. Les cuisses sont collées, hein, l'une contre l'autre ici. Voilà. Et on lâche de l'autre côté. On vient bien. On colle les cuisses l'une contre l'autre. Ouh, il y a du vent ce soir. Ah. La même jambe, devant, tendue, pied flex, la jambe derrière est pliée, on y en appuie dessus, sur le genou plié, hein, pas sur la jambe tendue. Hein. Voilà, le dos est plat, les fesses vers l'arrière. Voilà, on étire un petit peu l'arrière de la cuisse, et on va même, si on veut, chercher la pointe de pied. Voilà, toujours en gardant le dos plat au maximum. Et on lâche. D'autre côté. La jambe devant est tendue, pied flex. On vient mettre en appui les deux mains sur le genou plié. Le dos est plat, face vers l'arrière. On descend la main si on veut un peu plus bas. Et on lâche. Inspire, étire. Allez, jambes un petit peu écart. Et on relâche en bas, genoux fléchis. Encore, on remonte, inspire. Les doigts croisés, on inverse paume de main et on descend sur le côté. L'autre côté. Et reviens qui veut. Les jambes tendues, pieds joints. On pousse au maximum vers le haut. Et on relâche. Jambe gauche derrière, jambe droite, on inspire, bras gauche, on pousse la paume de main vers le plafond, en serrant bien les abdos, et de l'autre côté, inspire, étire,
la paume de main vers le plafond, et on lâche encore jambes écart. Inspire, étire, et on lâche tout le bras. Dernière fois, inspire, et on lâche tout. Et on reste. Et merci beaucoup, bravo à vous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera prochainement. Pour ce qui me concerne, ça sera vendredi matin avec un cours de RMG. Mais entre-temps, vous avez tout le planning sur le site du chat, sur YouTube, sur le Facebook. Allez-y voir. Vous pouvez retrouver Ingrid, Nathalie, Geoffrey, Vanessa pour tous les cours de la semaine. Je vous souhaite de rester en pleine forme, bien sûr. Et je vous souhaite bon courage pour tous les cours. Et à bientôt. Bye bye.